¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la policía? ¿Que se han perdido de vaca? ¿Se ha perdido la documentación? ¿Qué pasó? Eh bien, nous allons toujours à la porte de la Villette. De la Villette pour prendre les bus pour venir. Et oui. Chaque fois qu'on arrive avec la bagage, on dit pour laisser la bagage. Les bus de vax. Oui. Et qu'après, il y a quelqu'un qui prend la responsabilité d'amener le bagage dans les bus. Alors, la majorité des fois, il faut entrer sans le bagage. Et alors, toujours, on me dit, oh, laisse le bagage. Parfois, je n'attends pas qu'on me dise, laisse le bagage. Je savais, c'est comme ça le système. J'arrive, je mets le bagage près des bus. Oui. Et après, il y avait toujours quelqu'un qui se responsabilise à mettre le bagage dans les bus. Cet jour-là, le 19. Y les gens que vous demandez pour le bagage, y les gens que le responsable de la police a dit que jamais de responsabilité, ¿no? Él acepta pas que la responsabilité. Attends, ça j'arrive là. Alors, je fais comme je fais tous les jours, mais cette jour-là, j'arrive ici, à Chapsa, et je vois que ma bagage, elle n'était pas là. Alors, je suis allée à parler avec le policier de Bapsa. Oui, oui. Pour lui dire, messieurs, mais ma bagage, elle n'est pas là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ma bagage n'est pas là. Pourquoi ma bagage n'était pas là? Ah, je ne sais pas. Pero te donnes les bagages, c'est les bagages, c'est les sont volés, non? C'est ça? Les sont volés. Et qu'est-ce qu'il y a dans les bagages? La bagage, elle avait toutes mes affaires, des bonnes affaires d'hygiène. Pièce d'identité. Il y avait un dossier vert avec toute la démarche que je fais pour avoir le RSAC, c'est mon nom. La pièce d'identité? La pièce d'identité, heureusement qu'elle n'était pas là. Mais au moment, je croyais que la pièce d'identité, elle était là aussi. Hein, je restais non, désespérée. Était ou n'était pas? Comment? La pièce d'identité, votre bagage, ou n'a pas là? Non, heureusement qu'elle n'était pas là. Mais au moment, je ne savais pas qu'elle n'était pas là. Mais le numéro papiers. De sécurité sociale, toute la démarche que je fais pour avoir le RSA, il me manquait seulement la domiciliation pour avoir pour mettre les démarches de RSA. J'avais tout ça, tout ce qu'il faut. Donc, j'avais dans le dossier vert, dans la valise. Alors je dis ça au policier. Monsieur, j'ai toute mon documentation dans la valise. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment vous pouvez m'aider? Ah, je ne peux rien faire. Bon, d'accord, oui, d'accord. Alors, après, vous allez à la commissariat, non? Pour faire des plans, non? Et après, je suis allée au commissariat, pas à la porte de la Villette, je suis allée au commissariat de la police de Asnières. Hein? Et je racontais l'histoire comme ça passait. Mm-hmm. Il a caché moitié de ce que je lui ai raconté. Ah oui, d'accord. À aucun moment, il a dit que le problème, c'était le système de bus de la police pour venir... Parce que c'est la même police. Baxa, c'est la même police nationale. Je ne comprends rien. Oui, d'accord. Je sais qu'ils ont caché que je parlais. Bon, et vous demandez que toutes les choses que vous que sont volées, te la retournent, non? Oh oui, il a dit, vous allez voir... les choses perdues, mais je ne crois pas que vous allez trouver, comme ça. Dis quelque chose à la police directement. Qu'est-ce que vous lui direz à la police, Magno? Que te devolvent, que te retournent tout le matériel? Non, dis que c'est presque impossible d'avoir les choses. Mais que te la retournent, non? Que te la retourne, que vous retrouvez votre chose. C'est très difficile, il a dit, que vous ne pouvez pas aller faire recherche après. Mais je demande une chose, pourquoi vous ne parlez clair? Parce que vous aimez la police, jamais, pas de problème, c'est vous qui êtes la victime, ce n'est pas la police. Oh, oui. Oui, d'accord. Mais la police cache les autres polices, parce que ça c'est une preuve, parce que je raconte l'histoire. Qu'avaient les policiers dans leurs responsabilités, ils n'ont pas écrit ça. Ah oui, d'accord. Attendez un moment. Oui, je suis à la défense de tout le monde, vous savez. Et c'est normal, la police reste cachée beaucoup de choses. Parce que la VAXA, c'est la même police nationale. Ouais. Oui, et c'est pour ça que sont changées l'histoire que madame donne pour faire des plans. Ouais. C'est Carlos Alberto Cortazuá. Alors comme ça arrive que je ne peux pas Carlos faire Alberto confiance Cortazuá, à la police. Normalement, je pensais que les policiers, c'est pour nous défendre. Le normal, c'est que la police nous défendre.
Mais maintenant, je ne sais plus si je peux compter avec la police pour me défendre. Vous pensez...